Salut la team Pognon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien les gars. Aujourd'hui une nouvelle vidéo ask. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous ai demandé de me poser les questions pour répondre aux questions en vidéo en fait. Donc si vous ne me suivez pas, je mets mon Insta juste là. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. J'essaie de faire le tour vraiment de répondre au maximum des questions. Après les questions qui se répétaient, donc les gars, on en a fait une seule. Enfin, j'ai essayé un peu de faire comme je pouvais. Donc durant cette vidéo, vous verrez comment j'ai posé cette wig. Franchement, j'aime trop. C'est vraiment là, j'ai confirmé le code que une new part, c'est un must have. Je sais pas pourquoi j'ai pas connu ça avant. Vraiment, c'est vraiment parce que l'inconnu me fait peur. Ça veut dire que quand je vois un truc, je sais pas, dans ma zone de confort, je suis sceptique. Mais là, j'ai validé, les gars. Toutes les informations de la wig sont en barre d'infos. Le code promo est en barre d'infos ou je le mettrai même juste là. Si vous voulez voir comment j'ai installé cette wig du début à la fin, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous voyez de vous-même la qualité des mèches. Incroyable. Franchement, ça va être ma wig de tous les jours. Je le sens. Vraiment, c'est même pas pour en faire trop, mais je sens que ça va être ma wig de tous les jours. Avant de vous laisser, je vous laisse me suivre sur tous mes réseaux sociaux, les gars. Activez la cloche de notification parce que il y a d'autres vidéos qui doivent arriver, en fait. Donc, il faut être à l'affût, en fait. Ok. Sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous l'avez bien compris, cette vidéo est sponsorisée par la marque Eunice Hair. Je vais vous montrer le petit packaging que j'ai un peu démoli, mais c'est pas grave en fait. Du coup, la wig, elle arrive dans une boîte comme ça. Franchement, la boîte, elle est grave fonctionnelle, j'aime beaucoup. Sachant que moi, j'aime trop garder mes boîtes pour ranger mes wigs après. Quand vous recevez la wig, vous recevez avec deux wig caps. Enfin, du coup, il y en a quatre. C'est trop bien, il y en a quatre. Donc, et puis, c'est des wig caps bien légers où tu peux bien faire l'effet faux crâne et tout, genre. Ils ont d'aide. Tu reçois des petits fossiles comme ça, enfin des gros fossiles. Vraiment des fossiles de baddies, hein, comme on dit, des fossiles de baddies. En plus, là, j'ai pas mes extensions, donc j'ai hâte de les tester. Tu reçois un élastique, j'en ai reçu deux, ça, je l'ai déjà utilisé parce que tu connais, on va à la salle des fois, et on n'a pas trop envie de voir toute la catastrophe qu'il y a devant. Tu mets l'élastique, tu vois, donc j'en ai deux. Franchement, j'aime bien parce qu'ils sont pas trop gros. Ils sont pas trop larges, parce qu'il y en a, on dirait, ils pensent que t'as une grosse tête. Là, c'est bien serré, tu vois, t'as pas besoin de serrer en plus. C'est vraiment top. J'ai reçu la wig, donc c'est une new part de 22 pouces, je crois. 22 ou 24 pouces, je sais plus du tout. Les gars, quand vous recevez une wig, lavez les mèches. Lavez les mèches, parce qu'il faut toujours laver les mèches quand on reçoit une wig. Mais même après lavage, la qualité, elle est trop bien. Dites-vous que j'ai rien fait, hein. Même brushing, j'ai pas fait, j'ai rien, même pas lissé, rien, même pas brossé. Mais genre, la qualité des mèches, elle est incroyable. Ce qui est bien avec les U-Parts, c'est vraiment quand t'as un lissage karité ou quand tu lisses bien tes cheveux. Moi, je pense avec mon lissage karité, ça va mieux passer. Et sinon, si vous n'avez pas de lissage karité, franchement, je sais que sur le site, il y a des mèches kinky, tu vois, un peu plus crépues, tout ça, ou un peu plus bouclées, un peu plus frisées. Et je vous invite à mort à aller prendre, parce que c'est tellement un gain de temps le matin, ça. Si tu vas en cours, t'as la flemme de tout le temps coller ta wig, ou tu vas au travail, t'as la flemme de tout le temps coller ta wig. Parce que quand tu mets une wig avec laisse wig, là, quand tu prends une wig avec laisse frontale, t'es obligé de bien coller, que ce soit bien arrangé, bien propre, sinon c'est bizarre. Ou mettre une closure, mais avec ça, trop bien. Du coup, là, on va tout faire ensemble et en même temps je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Déjà premièrement, je vais vraiment faire un U. On m'a demandé la rêve de ta robe violette. Je sais pas de quelle robe vous parlez, si vous parlez de ma robe, ma djellaba de ma dernière vidéo, mais les gars, c'est une djellaba. Comment vous voulez la référence d'une djellaba? Je l'ai acheté à Jamel Efna, au souk là-bas, dans un stand. Franchement, je sais pas quoi. Parce que à part la djellaba, je vois pas quelle autre robe violette j'ai. Ok, donc là, j'ai séparé quelques bouts de mèche. Le reste, j'ai attaché vers le bas. Je sais pas si je sors des cheveux sur le côté. En vrai, ça sert pas à grand chose, mais vas-y, je sors ça. Ouais, j'ai sorti quelques petits cheveux, mais c'est tout. Là, j'ai mis à chauffer mon petit lisseur, histoire de bien lisser les petits cheveux là. Ensuite, on m'a dit... je suis courte comme toi, mais j'ai pas confiance en moi. Comment fais-tu?
Carrément, là, je viens de couper un live où j'ai parlé de ça. Mais je comprends pas comment ça, comment fais-tu? Comment fais-tu quoi? Ma belle, si t'es petite de taille, tu veux y faire quoi? Il n'y a pas d'astuces, il n'y a pas de produits magiques. Genre, en vrai, il faut juste apprendre à s'accepter, à s'aimer comme on est, tu vois. Après, je veux bien comprendre que des fois, les complexes, ça vient des autres. Toi, tu penses que t'es normal. Enfin, tu captes. Enfin, tu vois tous les jours, tu sais que t'es petite ou t'es grande de taille. Mais c'est à cause des gens dehors. Eh, mais t'es trop petite. Eh, mais t'es grave grand. Eh, mais t'es. Et tout ça, là, en fait, ça te met des complexes. Alors qu'en vrai, t'as même pas à complexer parce que t'es comme ça. Genre, enfin, ouais, tu peux rien. T'es née comme ça. Et moi, je pense que l'entourage, ça compte beaucoup. Si t'as un entourage qui, à chaque fois, veulent te faire montrer ta différence ou tes défauts ou tes complexes ou quoi, c'est qu'il faut couper. Sans t'en rendre compte, ils sont nocifs à ta vie, en fait. Tout ce que je peux te donner comme conseil, c'est sois bien entouré. Si t'es entouré de personnes qui, à chaque fois, te parlent de tes complexes ou te rendent mal ou avec qui t'es pas à l'aise, t'arrives pas à être toi-même parce que tu sais qu'ils peuvent te juger ou quoi, coupe. Entoure-toi des personnes qui t'aiment, des personnes qui sauront t'emmener vers le haut. Limite, avec eux, tu ressens même pas que t'es différente ou quoi. Genre, non. Et puis même, surtout, aie confiance en toi parce que c'est trop important. Tant que t'es sûr de toi, peu importe ce que les gens vont dire, eh, tu t'en fiches. Genre, ça va même plus t'atteindre, en fait, tu vois. Donc, la confiance en soi, c'est très important. Quel est ton meilleur souvenir 2022? Franchement, là, comme ça, j'en ai pas. Je dirais c'est peut-être l'obtention de mon diplôme parce que eh, c'était chaud, hein? Ah non, c'était chaud. C'est la première fois que j'ai peur pour des études, genre. Jamais j'ai peur comme ça, mais là, j'en ai fait une vidéo. De toute façon, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Je dirais mon diplôme, hein. Vraiment, le mois de septembre, j'ai kiffé. J'ai eu mon diplôme et après, je suis allée en vacances. Donc, c'était trop chic. Ton prochain voyage. Vous m'avez grave demandé, mais les gars, j'ai dit c'est la surprise du chef. Mon prochain voyage. Là, ce que je fais, c'est que je suis en train de lisser la racine surtout de mes cheveux parce que elle, c'est trop gonflé. Genre, c'est pas bien. Ça va pas faire propre. T'as des astuces pour la prise de poids? J'en ai, mais c'est peut-être pas les meilleures. Comme conseil, et c'est parce que j'ai testé en fait, c'est se bourrer de féculents. Après, je sais pas si c'est une bonne chose, mais se bourrer de féculents, genre vraiment, je sais qu'à un moment, quand je voulais prendre du poids, je me tuais au riz, je me tuais aux pâtes, genre, je me servais 2-4 fois plus que ce que je prenais de base. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention quand même parce que je pense que trop de féculents, au bout d'un moment, c'est pas bon. Mais c'est le conseil que je peux donner, des féculents. Et le sport, très important. Le sport aussi, c'est très, très, très important. En vrai, le sport que tu veuilles perdre, que ce soit pour perdre du poids ou prendre du poids, le sport. Il faut toujours combiner ce que tu fais avec le sport. Dis quoi, quels sont tes objectifs de 2023? PS, t'es trop belle. Merci. Mes objectifs 2023, j'en ai pas vraiment. Du sens où là, je suis en mode, j'ai pas envie de me donner. Je vais faire comme 2022. 2022, je me suis pas donné de lit, de goal, d'objectif. Je me suis seulement dit, kiffe ta vie, fais ce que t'as envie de faire, fais ce que t'aimes. Et puis tu vois ce que ça donne. Et je pense que je vais faire la même chose en 2023. Parce que, en fait, j'ai pas envie d'avoir cette pression d'échec en mode purée, je voulais faire ça et je l'ai pas fait. Et j'ai pas envie, genre, j'ai pas envie. La seule chose, vas-y, j'avoue que j'aimerais faire, c'est voyager. Genre faire au moins minimum 2 destinations. 2 ou 3, parce que vas-y. Sinon, non. J'ai pas d'objectif, je me mets pas d'objectif, je suis vraiment au jour le jour. Comment ça va mentalement? Mentalement, ça va super bien. C'est pas comme à ma période de la licence, c'était trop compliqué, c'était trop dur. Mais là, ça va super bien. Là, je vais venir installer la wig. Ouais, la wig. Je vais mettre les 4 plus le 5e là. Et je vais mettre aussi ouais, les 3 pinces comme ça sur les côtés. En plus, moi, vu que j'ai pas de natte, donc il faut vraiment que ça rentre bien dans mon crâne. Du coup, j'ai commencé par le milieu et ouais, là, c'est bon. Et je vais en mettre aux extrémités. Vraiment, je l'approche au max. Au max de la maxence. Vraiment, je serre. Et du coup, voilà. Ensuite, je vais en mettre derrière quand même. Hop. Comme ça s'installe bien. Ah, j'aime trop la qualité des mèches. Je fais une raie. Là, mes cheveux sont vraiment pas. Vous-même, vous avez compris que ça ne va pas, ma chérie. Oh, ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma belle. Franchement, de base, j'aurais lissé.
Mais là, en fait, je crois que j'aime bien comment ça fait boucler. À la base, je voulais lisser la wig, mais je veux pas. J'aime bien comment ça fait l'effet frisé, bouclé, enfin bref. Non, ça, c'est pas bouclé, c'est plus frisé. J'aime bien l'effet frisé de la wig. J'aime beaucoup. Juste là, en fait, tu comptes encore voyager cette année? Du coup, oui, je compte voyager cette année. Carrément, je suis déjà dans les préparatifs de mes voyages, en fait. Ton avis sur les cheveux crépus? Alors, je sais pas si on m'a demandé ça parce que j'ai fait un lissage karité. Là, il y en a plein qui pensent que je me suis défrisé les cheveux, mais je me suis pas défrisé les cheveux. Et puis, même si je vais me défriser les cheveux, je vois pas le problème. Oh! Je crois que ça a fait bien. Ouais, donc, mon avis sur les cheveux crépus, j'ai pas d'avis. Chacun fait ce qu'il veut avec ses cheveux. J'en ai marre de cette polémique de oh, comme t'as fait un lissage karité, oh, comme t'as défrisé tes cheveux, ça veut dire que t'as honte de tes cheveux, ça veut dire que t'es complexé. Oh, ok. Si c'est être complexé parce que j'ai fait mon lissage, ok. Franchement, j'accepte. J'ai même pas envie de rentrer dans un débat avec ça parce que chacun fait ce qu'il veut avec ses cheveux. Tu veux te décolorer les cheveux, tu te décolores les cheveux. Tu veux faire la boule à Z, fais la boule à Z. Défrisage, fais. Lissage, trop bien. Vraiment, je comprends pas cette lutte de tu dois. Si tu mets des wigs, si tu fais un défrisage, si tu fais un lissage, c'est que t'as honte de tes cheveux, c'est que t'es complexé. Pareil pour les femmes blanches qui font des braids ou des nattes collées. Elles font ce qu'elles veulent. Elles faut arrêter avec leur appropriation culturelle pour tout et pour rien. Ça, c'est un autre débat. Mais moi, ça me saoule. Genre, elles peuvent faire ce qu'elles veulent ou pas. Si elles veulent faire des nattes collées, elles font des nattes collées. Si elles veulent faire des braids, elles font des braids. Si elles veulent faire même des fausses locks, elles vont faire des fausses locks. Et puis, il n'y a rien en fait. Quel est ton meilleur fond de teint? Alors franchement, mon meilleur fond de teint, c'est celui de chez NYX pour l'instant. Après, j'aime beaucoup le Dior. En fait, ça se tape entre le Dior Backstage et le NYX CalStop Point Stop. Vraiment, c'est deux gammes différentes, mais ça se tape. Là, il faut vraiment que je teste le NARS parce que vous m'avez trop parlé du NARS et j'ai trop vu le NARS. Donc, je dois tester le NARS. Mais pour l'instant, si je devais choisir entre le NYX et le Dior, je dirais quand même le NYX parce que j'ai plus utilisé le NYX que le Dior. Mais le Dior aussi, c'est trop mon bébé. Le Dior Backstage, c'est trop mon bébé. Elle est passée où la fame? Elle est là. Si tu veux suivre la fame, on a tous nos réseaux. Chacun de notre côté, tu nous suis tous et puis tu nous vois. Donc, t'as ta réponse, j'espère. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Franchement, les gars, j'aime trop, trop, trop la wig. J'aime trop la wig. Mais pourquoi on n'entendait pas parler des Youporn avant? Pourquoi j'ai pas essayé de chercher à savoir un peu ce qui se passait dans l'affaire des Youporn? Franchement, un must have à avoir. C'est même pas parce que c'est une collaboration quoi. Là, franchement, je suis sincère avec vous. La qualité, elle est trop bien. Genre, je sens pas qu'il y a trop de mèches. Genre, je me sens légère limite. Je la sens même pas la wig sur ma tête. Je vous laisserai toutes les infos de la wig en barre d'infos avec le petit code promo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse liker, partager, commenter et me suivre sur tous mes réseaux sociaux. On se dit à la prochaine, la team Pognon, et je vous fais de gros bisous.